L'inquiétude des habitants du CQ516 à Koufouli dans l'arrondissement 5 Mongompoukou est menacée par le conflit d'intérêts des familles terriennes Kondit Itali et Nzemba. Aussi, depuis quelque temps, la famille Kondit Itali s'attaque aux propriétés bâties et non bâties acquises depuis l'an 2000 à d'autres terriens. Elle procède par des démolitions des murs et des ultimatums. Les habitants, regroupés en collectif, ont dénoncé ces menaces ce vendredi 4 mars. En 2000, ils étaient au tribunal. Et le 6 mars 2000, le jugement avait été rendu en faveur de la famille Kondit Itali. Et dans ce jugement, comprenait les décisions de justice pour délimiter les différentes zones. 20 ans après, les gens se sont installés de part et d'autre. C'est la famille Kondit Itali qui se permet de violer les dites limites pour faire une invasion du côté de Nzemba. Elle s'attaque encore à Bikula, elle s'attaque encore à la famille Tinuka. Ce quartier qui a connu son occupation et son aménagement durant ces 20 dernières années se voit aujourd'hui être embarqué une fois de plus dans ce conflit foncier encouragé par l'administration publique, nous dit cet habitant de Koufouli. C'est le cadastre qui est la pierre angulaire de cette mafia. Chaque parcelle porte maintenant deux références cadastrales. Et il y a aussi de ce secteur où il y a trois références cadastrales. Nous ne comprenons plus. Un autre résident, au bout de sa peine, lance un SOS aux autorités pour mettre fin à cette magouille. Il y aura un carnage dans ce quartier parce que nous en avons marre. Pendant que les gens pensent à autre chose, comment est-ce qu'il faut nourrir nos enfants, comment est-ce qu'il faut prendre soin de nos enfants, l'État nous dérange. Parce que c'est l'État qui devait contrôler le cadastre. Lorsqu'il y a un plan cadastral qui est sorti, il y a 1000 plans cadastrales. Alors que l'État, c'est une même identité, une même entité. C'est l'État. C'est à l'État de prendre ces décisions. C'est la même population. Ici, nous avons voté. Est-ce que ces votes-là ne sont pas reconnus par l'État ? Signalons qu'en 2015, la même famille Kondit Itali avait été ramenée à la raison par la justice, a-t-on appris, auprès de ses habitants très remontés.